Alors en fait, depuis plusieurs mois, nous observons beaucoup de volatilité dans les opinions. Par exemple, les prévisions de croissance produites par les organismes internationaux ont été beaucoup révisées. Alors tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Parfois, le consensus des économistes aussi évoque la récession et puis juste après, il ne l'évoque plus. Et donc, dans cet environnement changeant, bruté, eh bien, je crois qu'il est très important de maintenir un cap. Et depuis plusieurs trimestres, chez Groupama Asset Management, nous maintenons le même cap. Alors, quel est ce cap? Bien, pour nous, 2023 est une année blanche, c'est-à-dire une année de stop dans la conjoncture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une récession dans l'industrie mondiale. Dans les industries, les stocks sont encore trop élevés. Donc, il y a un besoin de déstocker, donc de ralentir l'activité. Et les enquêtes auprès des industriels montrent d'ailleurs que le climat des affaires continue de se détériorer partout dans le monde, en Chine, en Europe, en France. En revanche, la conjoncture reste favorable dans les services. Il y a même un grand écart entre le climat des affaires dans les services et celui dans l'industrie. La force des services est liée au fait qu'il y a toujours un besoin de rattrapage post-Covid, notamment dans certains secteurs, je pense aux loisirs, à la restauration et au tourisme. Donc, la conjoncture est en berne. Mais il ne faut pas non plus sombrer dans un excès de pessimisme. D'abord, l'ajustement que l'on affronte dans l'industrie, il est cyclique. Je dirais qu'il est normal. C'est-à-dire qu'il y a assez normalement des phases de respiration après des phases d'accélération. Et puis ensuite, et surtout, je dirais, cette contraction de l'activité est atypique parce que l'emploi résiste et va résister. Dans un environnement de transition économique et de pénurie de main-d'œuvre, eh bien, on le voit, les entreprises ne prennent pas le risque de réduire les effectifs. Elles ne diminuent pas les effectifs de façon à être prêtes à repartir au moment du redémarrage. Donc finalement, on envisage toujours une sortie par l'euro. L'industrie repartira et il y aura à nouveau un élastique conjoncturel positif. Et puis, il ne faut pas l'oublier, la prochaine décennie sera marquée par un boom de l'investissement pour faire face au double défi de la transition environnementale et de la souveraineté stratégique. J'y inclus évidemment la réindustrialisation.